Et salut les loulous, c'est Soma. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo de Quoi de Neuf ce dimanche et on va découvrir ensemble The Frost First Ones, un jeu sorti sur Steam le 31 août 2021 au prix de 2,39 € et en anglais. C'est développé et édité par une seule personne et accompagné d'un autre développeur hein, pour les musiques. Donc il s'agit de Ivan Sakhanov. On peut jouer à la manette, pas de rebind des touches. Enfin, on va regarder les options après parce que le problème c'est que le jeu se lance comme ça. Donc c'est un peu compliqué de faire une intro sur un menu et de voir un peu les options. C'est un jeu solo et on est sur un petit jeu point and click d'aventure. Et on va voir surtout bah, ce qu'il propose parce que c'est pas très clair sur Steam. Voilà, on peut, vous voyez, donc je dirige mon curseur. Et c'est comme ça qu'on va se déplacer, je pense, avec le curseur. Ça déplace aussi un peu la caméra. Donc on incarne nos Bérac. Je vais juste. On verra quand on aura. Ah, je crois que j'ai les options comme ça. J'ai déjà pas mal baissé le son, mais. Voilà, ce sera mieux. On résume. Donc voilà, mon nom est Bérac, le chasseur. Je chasse, pardon, depuis mon enfance, comme beaucoup d'entre nous. Je me suis réveillé tôt aujourd'hui et je dois me dépêcher à trouver un ami. La nuit dernière, j'ai trouvé qu'il avait disparu pour une semaine déjà. Ok. Ok. Alors on est sur un jeu en pixel art, hein, bien sûr, si vous n'auriez pas encore remarqué. Alors, c'était une soirée ordinaire, hein. Je préparais à manger. Il n'y avait rien à première vue de qui semblait troubler tout ça. Donc on a un feu de camp. Alors Bérac, bonjour. Donc c'est Scylla. Bonjour Scylla. Aujourd'hui, hein, voilà, c'est vraiment une soirée plaisante, n'est-ce pas? Je n'ai pas vu Hendrik. Ça fait quelques semaines. Comment tes enfants vont? Comment Hendrik va? I had a good catch Fiona. Alors, il a fait une bonne prise l'autre jour et il serait heureux de la partager avec lui. Enfin, avec elle. Merci beaucoup. Mais c'est pas le moment pour ça. Bérac, j'ai des mauvaises nouvelles. C'est vraiment mauvais. Je ne sais pas ce que tu pourras faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Hendrik est perdu. Il est parti chasser il y a 8 jours et il n'est jamais revenu. 8 jours, tu dis? Ça fait longtemps. Pop-pop-pom. Mais pas si long que ça en fait, hein. Il a déjà, lui, été absent plus longtemps que ça. Il doit sûrement aller bien, j'en suis sûr. Je l'attendrai avec une grosse prise. Ne te mets pas martel en tête. C'est pas du tout ça la trad, mais c'est un peu le sens quoi. Ne t'en fais pas quoi. Non, Bérac, c'est tu ne sais pas. You don't know, c'est savoir. Ouais, c'est ça, tu ne sais pas. Notre plus jeune a fêté son. Enfin, c'était son anniversaire hier. Donc âgé de 5 ans, et Hendrik, hein, était tout excité à cette idée. Et il ne n'a pas pu oublier. D'habitude, il part pour un jour ou deux, hein, je suis sûr que quelque chose lui est arrivé. J'aimerais que tu ailles voir par toi. Voilà, elle aimerait y aller elle-même, voir ce qui pour le chercher, hein, mais elle ne peut pas laisser ses enfants. Hier. Elle a été voir l'ancien du village, sûrement. Voilà. Et qui lui a répondu que voilà, il pouvait rien faire et que Hendrik n'avait certainement pas oublié.
Attends, he said that Hendrik a simply. Alors, voilà, il a dit que Hendrik avait tout simplement oublié, ou peut-être qu'il avait trouvé une bonne piste. Je t'en supplie, Berak, s'il te plaît, trouve-le et ramène-le. Alors, s'il te plaît, Scylla, calme-toi. Tout est probablement ok avec ton mari. Hein. Est-ce qu'il a dit où il allait? Il y a beaucoup de textes. Hein. Pour l'instant, c'est pas évident de tout traduire correctement. Oui, il a dit qu'il partait au nord, à la Clean, au passage de Clean, et qu'il allait passer, contourner la montagne pour aller à l'est, à Bird's Grotte et revenir. Bon, ces endroits sont complètement sauf. L'ancien m'a dit pareil. Mais il n'est pas revenu. Qu'est-ce qui a bien pu l'arriver? Quelque chose a dû lui arriver. Hendrik est un meilleur chasseur que moi. Et parfois... On a même pris nos enfants pour aller dans ces endroits. Et rien ne peut lui arriver là-bas. Mais d'accord. Ce n'est pas loin après tout. J'irai demain matin, voilà, essayer de le ramener. Merci. Je ne savais plus quoi faire. Merci beaucoup. Voilà, bon, c'est pas grand-chose. Hein. Le mieux, c'est de venir ici, de t'asseoir, d'attendre, enfin de te calmer, je sais pas quoi. Mon lapin est presque prêt. Mangeons un petit peu, calmons-nous. Enfin, calme-toi. Et tu pourras te reposer avec tes enfants. Tout ira bien. Ça, je sais pas trop. Je suppose qu'ils sont aussi angoissés ou peut-être terrorisés. Ok. Bon, bah là, on a eu un gros blabla. Hein. J'ai essayé de traduire du mieux que je pouvais. Donc, on est le lendemain matin. Je sais pas encore ce que je vais pouvoir faire. Pour l'instant, on n'a pas bougé. Il y a que du texte. Hein. Bon, allez, je vais passer ça là parce que ça me saoule un peu. Voilà. Et j'aimerais en fait, alors, prendre notre équipement. Donc ça y est, je peux enfin bouger. Notre équipement. Alors il est où notre équipement? Ah, c'est quoi ça? Ma hutte. Faut que j'aille par là, j'imagine. Ah, je ne peux pas. Ok. Alors ça doit être par ici. Ça c'est bon. Je peux pas en prendre plus sinon je serai ralenti. C'est suffisant pour 5 à 7 jours. Leave the village. Alors ça a pas l'air d'être par là. Je pense pas qu'on puisse courir pour le moment dans le jeu. Alors, on quitte le village. Enfin, on essaye. Alors, t'es qui, toi? Alors, Arlène. Oh, Berak, bonjour. Aujourd'hui, t'as un beau jour, n'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas, Arlène? What's the word? Code 9. Alors Barden est récemment revenu de la chasse. Il a dit qu'il avait vu une biche hein, il y a 2 jours au sud. Alors, tout le monde est sur ses gardes et ils veulent y aller. Ok, bon allez. Passer le blabla. Et. On s'en va. Ah, du coup, je sais pas du tout où je vais. Hein. On est toujours dans le village. Il faut certainement passer par là.
Ah, c'est pas très violent, hein. Les animations, le système de marche et tout. Est-ce qu'on a une carte? Je ne pense pas. Non, on n'a pas de carte. Ouais, peut-être prendre le pont pour sortir. Oula, si c'est bon. Sur le coup, j'ai cru que ça allait être bloqué par des débris d'arbre, d'un arbre tombé ou quelque chose comme ça, mais non, pas du tout. C'est surtout que j'essaye d'aller au nord en espérant. Alors, je dois me dépêcher et attendre avant la nuit. Je ferais mieux d'aller voir les locaux, quoi. Enfin, les gens du coin et leur parler. Ok. Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Alors, un peu plus au nord, j'ai vu. Je verrai le passage où Hendrik est allé. Et un peu plus à l'ouest. Il y a des cahutes de chasseurs. Je devrais aller d'abord vers eux. Quelqu'un a peut-être rencontré. Peut-être que quelqu'un a rencontré Hendrik. Donc à l'ouest. Comment je vais à l'ouest là? Par. Trouver la trace des chasseurs. Ah, donc un piège à lapin. Ok. Bon, c'est pas la violence, hein, le jeu là pour le moment. Ah, je pensais pas qu'on pouvait se déplacer comme ça aussi bien dans les décors. Là, je peux pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Alors, il y a un lapin, le piège à marcher. On va pas le prendre hein, parce que le chasseur qui l'a posé va certainement bientôt revenir. Et donc, on continue à suivre la route vers l'est. Maintenant, ils nous disent. Ok. Je sais pas s'il faut que j'aille par là ou faut que je remonte maintenant. C'est pas évident de s'orienter en fait. J'y vais surtout à l'intuition là. Ok, on a trouvé le bon chemin à première vue. On voit les huttes. Il faut que je trouve quelqu'un à qui parler. Eh bien, allons-y. Alors, toi. Alors, on se présente, hein, on vient du village du sud. Alors, Berak, je suis Nevi. Mon mari, Morkant, est un chasseur aussi. Alors, est-ce que tu as. On a déjà eu affaire à lui parce qu'il est venu au village lui-même pour faire des échanges. Je passe un peu les dialogues. Donc, malheureusement, on n'a pas fait d'échange avec lui. Hein. On recherche un ami, son nom est Hendrik. Est-ce que tu as vu quelqu'un comme lui? Alors, elle peut pas le dire précisément, mais il y a quelques. Enfin, assez proche d'ici, il y a une semaine, il y a quelques chasseurs qui sont venus. Alors, donc elle et Morkant hein, ont pris le temps de leur parler autour du feu. Elle était en train surtout de nettoyer et
de saler la viande, si je me trompe pas, dans les trades. Alors Morcante les a invités à passer la nuit avec nous, et le jour suivant, ils sont partis tôt pour chasser. Ils sont rentrés tard dans la soirée. Et le lendemain, ils sont encore partis très tôt. Morcante a dit que le chasseur avait une famille, mais qu'il avait des grandes difficultés à chasser. Donc mon mari étant un brave homme, hein, il a voulu l'aider. Donc il faudrait qu'on parle à Morcante, il sera bientôt de retour. Donc on va attendre que Morcante rentre. Penses-tu que je peux faire un feu de camp? Oui, bien sûr. Je vais t'aider. Let's go. Donc on va se poser. Et on va attendre son mari. Alors du coup, plusieurs heures ont passé, hein, et Morcante n'est toujours pas là. Maeve a dit qu'il entrerait assez tôt, hein. Alors, je peux pas lui parler. Ah, ce serait pas toi. Ah, Morcante. Nuit silencieuse. Bonjour Morcante, mon nom est Berak, je viens du village du sud. Maeve m'a dit que tu as rencontré un chasseur la semaine dernière. Est-ce que tu te rappelles de son nom? Alors, ravi de te rencontrer. Son nom était Adri. Adri? Maybe Hendrik? Oui, probablement Hendrik. Un homme grand, 40 ans. Enfin, passé 40 ans. Avec une cicatrice sur son visage, sur le côté droit. Il nous a parlé de sa femme et de son fils. Enfin, de ses enfants. Scylla. Oui, donc c'est bien lui, hein. Donc c'est définitivement lui. Sais-tu où il est allé? Il n'est pas rentré. Et voilà. Il est allé sur la terre des esprits au nord. Pourquoi est-ce qu'il est allé là? Ah, ton frère. Ton ami était très upset, je sais pas ce que ça veut dire. Donc apparemment il avait une sorte de célébration à sa famille, mais il n'avait rien pour ni la force de tout ça. Et surtout il était apparemment en malnutrition depuis un moment. Bon, ils sont partis chasser ensemble. Il l'a aidé. Bon. Alors il y a beaucoup de dialogue, hein. Pour l'instant, je suis pas super emballé par le jeu. Ça blablate beaucoup. Alors le fait qu'en plus ce soit pas en français, c'est vraiment contraignant, je trouve. Quand on maîtrise pas l'anglais comme moi. C'est un jeu textuel. Hein. Voilà. Petit point and click textuel. Enfin, même pas tout à fait du point and click. Parce que, ok, on a des choses à examiner. On parle avec le curseur. On ramasse des objets avec le curseur. Mais on se déplace quand même en ZQSD. Hein, je tiens à préciser. Donc, voilà. Allez. Passer un peu tout ça. J'aimerais voir la suite. Regardez tout ce blabla quoi. Alors, j'ai fait Forest Dwellers en Success Team. Et la nuit passe, j'imagine. Bon, j'ai zappé vite les dialogues, hein. Je suis désolé, mais bon. C'est pas folichon quand même, hein. C'est pas mon délire ce genre de jeu. C'est mon avis perso. Voilà, donc ils ont fait un résumé de ce qu'on a appris.
Alors voilà, donc il faut que je jette un coup d'œil autour et que j'essaye de retrouver la trace d'Hendrik. On va partir au... Ouais, je vais partir au nord. Alors un cerf, c'est plutôt rare. On va passer par là. Il y avait la pinou. Un petit lapinou. Youhou. J'aurais peut-être pas dû descendre là. C'est bon, on peut passer. On va faire comme le lapin en fait. Hein. Alors, du sang sur la neige. Inspecter. Ici. Alors, c'est du sang. Alors, on inspecte le sang sur la neige. Alors, quelque chose est arrivé ici il y a un jour ou deux. C'est peut-être le moment où Hendrik est passé. Peut-être que c'est son sang. Il faut que je suive les traces de sang pour savoir où ça mène. Donc, on en a une autre ici. Ici. Ok, ensuite ça monte là. Laisse-moi tranquille. Ah, on peut mourir comme ça sur le jeu. Cette bonne blague. Ok. Ah, il y a gros nounours, hein. Gros nounours, pas content. Gros nounours, ça fait câlin à Soma. Oui. Donc, on recommence. Alors, comment on va filouter le nounours? Du coup. Là. Je m'en vais. Tu m'as pas vu. Je sais pas. Je sais pas comment je vais le gérer, l'ours. Je peux pas passer là. Go, hein. Je pense qu'il faut que je descende là. Si je peux. Les traces de sang nous amènent là-dedans, donc... Alors, c'est le passage. Ok. On pense pas à première vue que... Alors, succès Steam, l'ours sauvage. Ah, et du coup, je fais quoi en fait? Alors, jette un œil. J'ai l'impression qu'ici y a rien. Donc, il faut que je me remette sur la piste d'Hendrik, mais je sais pas où aller en fait. À première vue, c'est pas son sang, hein, donc là, je ne sais pas.
passerai jamais là. Ah, je peux pas aller par là? Ah, bah j'ai pas le choix à première vue, hein. J'ai pas le choix. Ah bah comment on va faire? Parce que là je comprends pas le truc en fait. Je comprends pas le truc du tout. Ah, gros nounours, il est toujours là. Donc c'est bien sympa tout ça, mais... Comment je retrouve sa trace? Est-ce que je peux monter ici peut-être? Ah, c'est peut-être par ici. Alors, successtime les oiseaux. J'ai eu aussi successtime l'ours. Ah, voilà, d'accord. Alors là, il y a des baies. Ok. Et donc, il faut que j'aille par là-bas. Inspecter l'arbre, ici. Ok. Faut être attentif, hein. Alors, la terre des esprits. Donc, suivre le chemin le long de la, du ravin. Gauche ou droite? On va à la gauche. Il y a plein de lapins. Coucou les lapinous. Coucou. Ouais, il y a du lapin. On continue d'avancer. Puis bon, on va arriver tout doucement à la fin de cette découverte. Ah bon, je suis pas... Alors, lapin sauvage en success team. J'enchaîne les succès là sur le jeu, mais bon... d'avancer. Hein. Oh! Le renard. Non, ça va, il nous en veut pas. Encore les oiseaux. Ah, il y a des empreintes de pas d'un homme. Je sais pas si... Ouais, je pense qu'il faut que je descende là. La route est pas claire là, hein. Je crois que je me suis peut-être perdu. Mais je ne sais pas trop. Ah, il faut que je remonte ici. D'accord, donc c'est bien par là. C'est un bordel pour passer. Alors, je dois quitter la zone dangereuse. Alors, la quitter par où, par contre? Il y a des cailloux qui tombent. Quitter la zone dangereuse. En revenant en arrière par là?
J'ai pas vu d'autres chemins. En même temps, il faut les deviner, les chemins. Hein. Non, on me dit bien que je dois aller par là. Hein. Il doit y avoir une sortie. Alors attendez, j'ai pas vu. Je l'ai pas vu, la sortie. J'ai l'impression qu'on pourrait aller par là, mais en fait, je peux pas passer. Si c'est bon. Voilà, ok. Bah en fait... Ah si, c'est bon, ça passe. Incroyable. Il y a une corde. Bon, il y a une corde, mais... D'accord. On grimpe. Incroyable. Et on choit. Et on meurt. Il fallait pas faire ça. Eh bien les loulous, on va se quitter là-dessus. C'était la découverte un peu d'un jeu un peu particulier, hein, The Frost First Ones. On n'est pas mort en fait, on s'est évanoui, d'accord. Bon bah c'est assez particulier, beaucoup de textes, beaucoup d'actions, enfin quelques actions contextuelles, c'est du pixel art. Je suis pas trop convaincu par le jeu, vous me direz ce que vous en avez pensé, vous-même les loulous. J'espère en tout cas quand même que la vidéo vous aura plu. Et puis bah moi je vous dis à la prochaine, allez, ciao tout le monde.